Bwana Mungu apate kumibariki. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunamilamkia mujina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nous lisons les remerciements et requêtes. Tukonasoma mashukrani na mahitaji ya maombi. Commençons par le cas de guérison. Tunaanza na matunzo. Sœur Naomi Mwelu. Da Naomi Mwelu. Remercie le Seigneur pour avoir guéri son fils. Anashukuru Mungu vile Mungu aliponya mtoto yake. Protection dans le voyage. Ukingo katika safari. Le Joseph Kizabi remercie le Seigneur. Ndugu Joseph Kizabi anashukuru Mungu. Pour l'avoir protégé. Kwa ukingo. Lors de son déplacement, Lubumbashi, Zambie, Gaborone et retour. Mu safari alifanya Zambie, Gaborone na kurudia. Frère Narcisse Mbunda. Nduku Narcisse Mbunda. Remercie le Seigneur pour la protection. Anashukuru Mungu kwa ukingo. Lors de son déplacement de Lubumbashi, Kolwezi et retour. Mu safari alifanya Kolwezi na kurudia hapa. Nous avons les salutations de notre bien-aimé frère Sangi. Ndugu wetu Sangi anatusalimia. Et de la sœur Adèle. Na dada Adela. Les saints de Francis Town. Ba takatifu ya Francis Town. De Lusaka. Ba Lusaka. Et de Ndola. Na Kundola. Nous avons tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote wanatusalimia mujina la Bwana Yesu Kristo. La sœur Naomi Wembo. Da Naomi Wembo. Remercie le Seigneur. Anashukuru Mungu. Pour la protection contre les bandits à main armée. Bila alimkinga juu ya bandi. Le frère Didier Fikiri remercie le Seigneur. Ndugu naye anashukuru Mungu. Pour la protection lors d'un accident de circulation. Wakati ya ajali ya barabara. Nous avons des cas de maladie. Huko bagonjwa. Sœur Tumba Christine. Dan Tumba Christine. Demande la prière pour son fils qui est en coma. Anaombea mtoto wake mwenye kwasha kuzimia. Frère José Mwaka. Ndugu José Mwaka. Est fracturé à la jambe droite et demande la prière. Anavunjika kwa mkula kuume anahitaji maombi. Sœur Shekina Ikaka. Dada Shekina Ikaka. A des maux de tête, des maux de côte et demande la prière. Mbavu iko na luma anaomba maombi vile vile. Le frère Kaya Pierre, Ndugu Kaya Pierre, ainsi que son époux, ainsi que sa femme vont se rendre à Kolwezi demain. Bibi yake batenda kesho Kolwezi. Et demande la prière pour la protection. Anahitaji maombi juu Mungu amuikie mjia. Sœur Narcisse Mbunda. Dada Narcisse Mbunda. Il a une mission de service en Afrique du Sud. Anapasha kwenda mu mission de service en Afrique du Sud. Demande la prière pour la protection. Anahitaji maombi yetu juu Mungu amulinde mu safari. Frère Caleb Kalem. Ndugu Caleb Kalem. Il a besoin d'emploi et demande la prière. Anahitaji kazi anaomba vile vile tumuombe. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Tushimame njoo kusoma neno la Mungu. Ésaïe chapitre 30. Isaïe makumi tatu. Lisons le verset 18. Mustari wake wa kumi na munane. Ésaïe chapitre 30. Isaïe makumi tatu. Verset 18. Mustari wa kumi na munane. Cependant, Ajapo, l'Éternel désire vous faire grâce. Bwana Mungu yuko anapenda kumifanyizia neema. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Na atashimama anja kumifanyizia rehema. Car l'Éternel kwa maana wa bilele est un Dieu juste. Ni Mungu wa haki. Heureux ceux qui espèrent en lui. Eri bale bote wenye kumtumainia. Amen. Amen. On peut nous entonner un cours cantique. Banaweza kututumia mwimbo. Prions tous ensemble.
Notre Père céleste, Dieu tout-puissant. Baba yetu akumbingu na Mungu aweze yote. Te disons merci pour avoir été avec nous pendant toute la journée. Tunakushukuru kwa vile ulikuwa nasi mchana yote mzima. Merci pour avoir continué au pas. Aksanti kwa kuongoza hatua yetu. Et merci pour nous avoir rassemblés en ce lieu. Aksanti kwa kutukusanya tena hapa. Nous venons de lire les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Tunatoka mkusoma maneno makubwa yenyewe ulifanyia watoto yako. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Tunakushukuru juu ya ile. Il y a des requêtes de nos bien-aimés. Kwa mahitaji ya wapendwa. Il y en a qui vont voyager. Kwa wale watasafiri. Il y en a qui ont différents problèmes. Kwa wale wako na magumu mbalimbali. Nous te confions tout cela. Tunakuwatia yote. Une solution à tous nos problèmes. Leta jibu kwa maneno yote. Bénis et assiste à notre frère qui va nous parler de ta part. Ubariki na usaidie ndugu wetu mwana tatuhubiri. Et bénis aussi chaque oreille qui va entendre ta parole. Ubariki kila mtu mwana atasikia neno lako. Pensons à tous nos ministres qui sont dans les voyages missionnaires. Tunakumbuka bandugu yetu wenye wahubiri wanaenda kuhubiri. Partout ils sont, Seigneur, puisse tu les assister. Bali popote wanapokuwa ubasaidie. Merci pour toutes choses. Aksanti kwa maneno yote. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces services. Paka mwanzo paka mwisho wa ibada. Car nous te l'avons demandé ainsi. Kwani tunakuomba hivi. Au nom de notre Seigneur. Mujina la Bwana wetu. Et sauveur Jésus Christ. Na mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Tutasifu Mungu.
Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, ça fait de la joie d'être dans la présence de Dieu. Sans pour autant tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture des paroles de Dieu. Nous allons lire en Josué chapitre. Je vais lire seulement le verset 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous allons prier. Une fois encore, Seigneur, merci pour avoir permis à ce que nous puissions terminer la journée dans ta maison. Tu as été avec nos bien-aimés au travail, ceux qui étaient à l'école, Seigneur, dans nos diverses courses, tu as été avec nous. Et nous nous sentons privilégiés de venir dans ta maison. La maison de paix, la maison de prière, la maison de guérison, la maison là où tu es avec nous. Parce que tu as dit là où deux ou trois se réunissent à ton nom, tu y es au milieu. Merci de ta présence au milieu de nous. C'est pour cela que nous avons chanté avec joie. Nous avons lu, Seigneur, cette écriture. Édifie-nous encore ce soir pour la gloire et l'honneur de ton nom. J'ai ainsi prié dans nos précieux noms. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Nous avons dit que Moïse n'était pas n'importe qui. Bien qu'un grand serviteur de Dieu, il était mort. Et nous avons dit tous les êtres humains, ils peuvent mourir. Oui, parce que nous avons des cas de nos bien-aimés qui ne sont pas morts. Il y a ceux qui n'étaient pas morts, qui ont échappé à la mort. Comme on parle d'Élie, il n'était pas mort. Il n'avait pas expérimenté la mort. Oui. Et parmi nous, il y a ceux qui ne vont pas expérimenter la mort. Comme nous avons dit hier, notre frère Paul, dans son temps, il était très sûr qu'il n'allait pas expérimenter la mort. C'est pour ça que nous devons tirer attention même dans le langage des serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a les gens qui disent, mon frère Franck a dit, aussi longtemps qu'il suis vivant, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Normalement, tout enfant de Dieu qui est en ordre avec Dieu, il doit avoir ce même langage. Amen.
Il doit être sûr qu'aussi longtemps que vous me voyez sur la terre, Jésus n'est pas encore venu. Amen. Vous savez, ici, je vais un peu parler de quelque chose un peu qui est fascinant. Ici. La mort. Loufou. Vous savez, les gens, ils ont peur de la mort. Oui, c'est vrai. Et la mort définit des frontières. Loufou. Définit des frontières. Loufou, nous connaissons à mi-paka. Et que si vous allez quelque part, selon les tribus, vous allez voir comment est-ce que les gens se comportent devant la mort. Même devant les nations, il y a certains pays où, c'est passé, en Haïti, c'est pas un cas, ou bien Madagascar. C'est-à-dire, chaque 5 ans, chaque 10 ans, vous devez aller déterrer vos morts et faire une fête avec les gens que vous avez perdus. La mort. J'aime la façon que Frère Branham a dit. Pourquoi est-ce que tu travailles beaucoup? Non, je travaille pour avoir à manger. Et après avoir mangé. Non, pour grandir. Oh, ni Dieu ni nénépe. Mais après avoir grandi. Asa kisha komea. Pour mourir. On a kufwa. Oui. Dio. Vous savez, tous ces gens qui courent ici et là. Mais c'est pour mourir. Ni, nous on joue à kufwa. Comme nous on va la kufwa. La mort. Lufu. Même les religions. Atamadini. Vous allez voir que c'est, ça tourne autour de la mort. Oui. Non, pas qu'il, pas pour qu'il ne puisse pas mourir. Non, non, non. Autour de la mort. Bo, presque, je peux être sûr, j'ai dit, 99% de religions. Katikati Amadini, ba mingi kabisa. Non, il faut tuer. Même si on t'a tué, ne t'en fais pas. Même si tu mourais aujourd'hui, au ciel tu auras, c'est pas, ils disent comment, 70, c'est pas si 70 vierges, c'est quoi là. Tu vois, quelqu'un là-bas, il devient fou. Il va tuer les gens. Et se tue lui-même. Il y a de ces gens qui disent, oui, si tu fais du bien, non, dans l'autre vie, lorsque tu vas mourir, tu seras, c'est pas trop riche, c'est quoi. Et si tu fais du mal, tu seras pas une souris. C'est ça les religions. Tu vois quelqu'un là-bas, on m'a dit si je faisais du bien. Je ne sais pas, je serais un éléphant. Oui. Même notre religion, c'est sur la mort. La mort de Jésus-Christ. Oui, mon frère. Et même nous aussi. La mort de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. A fait de nous ce que nous sommes. Parce que chacun de nous ici, si tu ne crois pas que, même si tu mourrais, tu seras ressuscité lorsque Jésus viendra. C'est-à-dire que tu n'as pas commencé sous de bonnes voies. Même nous, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ est très importante pour nous. Moïse, mon serviteur, est mort. Oui. Vous savez, si vous allez visiter là-bas, sur le là où on a enterré Frère Branham. Il y a des gens qui se précipitent là-bas. Pour prendre des photos. Il y a toute une équipe là-bas. Mais nous croyons une chose. Le serviteur de Dieu avait fait ce qu'il devait faire. Et il se repose. Nous n'avons pas besoin de lui acheter un avion. Si tu n'as pas besoin de lui acheter un avion, un
pour qu'il puisse ressusciter. Et qu'il a terminé quoi, sa mission. Non. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a travaillé pour Dieu et que son temps est arrivé, il meurt avec la joie. Oui. Maintenant, tu vois quelqu'un commencer à se plaindre. Non, maintenant je vais partir. Et mon église. Et ma famille. Donc, il a quelque chose de faux. Mais considère un peu Esaïe 38. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras pas. Plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est quelque chose de très. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé ici. Il y a des nouvelles qu'on donne avec. Il faut être très, très attention quand vous allez passer cette nouvelle. Et mes frères qui travaillent à l'hôpital ils savent de quoi ils sont en train de parler ici. Banduku ba munganga banaji. Après avoir vu que non, cet homme maintenant il est dans le stade terminal de cancer. Vous savez, vous devez appeler les psychologues, vous devez appeler les sociologues, regardez comment est-ce qu'on va parler à l'homme, comment on va parler à la famille. Mais ce n'est pas ainsi ici. Dieu a parlé au prophète. Parce que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque le prophète est parti, ce n'était pas que non, maintenant, comment est-ce que je vais parler? Et si je lui annonce la nouvelle, ça peut lui précipiter. Non, lui, il a reçu un message de Dieu. Et il devrait aller rapporter le message. Il n'y avait pas, je sais pas, il n'y avait pas moyen de camoufler ça. Écoutez bien mon frère et ma soeur. Lorsque nous venons devant, dans la maison de Dieu, et que Dieu nous parle, on ne cherche pas à vous doloter. On amène le message tel que Dieu l'a donné. Va lui dire, il va mourir. Frère, ce n'était pas facile pour le prophète. Et aujourd'hui, nous savons, ce n'est pas facile d'aller prêcher la parole de Dieu. Il dit ceci. L'Éternel donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison. Mets ta maison en ordre. Frère, il y a des gens qui sont très occupés. On comprend ce qui se passe au ciel.
ce qui se passe au ciel. Ils sont experts. Et les cavaliers rouges, les chevaliers blancs, ils savent tout ce qui se passe au ciel. Écoutez-moi, mon frère et ma soeur. La préparation, ce n'est pas connaître tous les mystères. La préparation est pratique. Mets ta maison en ordre. Ce n'est pas dire que va laver ta maison. Change de chaise. Il me faut avoir une poste de téléviseur. Non. Mets ta maison en ordre. Parce que si ta maison n'est pas en ordre, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Quel privilège il a eu? Mets ta maison en ordre. Parle un peu d'une façon terre à terre. D'une façon terre à terre. Ce n'est pas normal. Toi, en tant que frère, en tant que soeur, tu meurs. Même tes enfants ne savent pas que tu es notre frère. Oui, il y a des cas. Oui, on a eu des cas. On commence à se disputer le corps. Non, mon père, on doit faire la messe à l'église catholique. Oh non, non, tu sais. Celui-ci, il était. C'est alors qu'on commence à découvrir des choses. Non, mon frère. Mets ta maison en ordre. Avant que Dieu t'appelle à la maison, tu dois mettre ta maison en ordre. J'ai toujours donné cet exemple. Pour vous que Dieu a béni. Oui, Dieu vous a béni. Vous avez des sociétés. Vous avez beaucoup d'argent. La moindre des choses que tu peux faire avant la mort, écris même un testament. Non, non, moi je suis chrétien. Non, ça ce sont des choses du monde. Tu mens. Tu ne comprends rien. Mets ta maison en ordre. Lorsque tu es décédé, c'est-à-dire que tout est en ordre. La maison est pour cet enfant. Cette société, c'est pour celui-là. Pas que tu, à peine tu es mort, tes enfants vivaient bien. Après ta mort, tes enfants se trouvent sur la rue. Et parce qu'il y a quelqu'un qui est malade mental. Non, non, c'est mon frère qui est mort. Alors moi, je vais prendre la maison. Je vais prendre la voiture. Non, mon frère. Avant ta mort, mets ta maison en ordre. Mets ta maison en ordre. Pas que tu, après ta mort, c'est alors qu'on commence à découvrir. Non, moi aussi, je suis son enfant. Non, lorsque tu es vivant, si tu avais eu un enfant en dehors de ton mariage, mets ta maison en ordre. Mets ta maison en ordre. Parce que la mort est certaine. Oui. Dio. Ce n'est pas quelque chose comme. Vous savez, j'aime certaines cultures. On est encore vivant. On discute. Okay, vous savez, moi, lorsque je suis mort, il faut donner mes dents, c'est pas à la charité. D'ailleurs, moi, je vais, après ma mort, il faut me brûler. Non, non, d'ailleurs, moi, après ma mort, je vais être entré tel ou tel endroit. Frère, si tu connais quelqu'un qui était né, qui a son père ou sa mère, un jour il va mourir. On ne doit pas avoir peur de la mort. Ou bien parler de la mort. Mets ta maison en ordre. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre au quotidien.
Je voulais dire, c'est ce que nous vivons au quotidien qui fera qu'on puisse rater l'enlèvement. Ce n'est pas connaître beaucoup de mystères. Non, c'est la vie quotidienne ici. C'est ce qui fera que beaucoup vont rater l'enlèvement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont experts. Ils se préparent déjà, ils préparent déjà des choses au ciel. Que ce soit le croyant du message, même le païen. Je ne sais pas si vous savez les païens ce qu'ils sont en train de faire. Ah, il y a ceux qui vendent leur corps. Ils ont l'espoir. Disons peut-être dans 100 ans, il y aura déjà une technologie qui va faire que quelqu'un puisse ressusciter. Maintenant, il y a des grands business. Ah, tu meurs comme ça, on te met quelque part là. Frère, mets ta maison en ordre. Ce n'est pas seulement pour les riches. Hein? Oh, je ne dis pas seulement pour les riches. Même pour nous qui n'avons rien. Écoute bien mon frère. Écoute bien ma soeur. Avant ta mort, quand même ta femme doit connaître, tu dois quoi à qui? Pas après ta mort, c'est là qu'on commence à venir. Non, il avait pris ma panne. Il avait dit qu'elle va payer. Non. Frère, la relation entre nous et Dieu, ça dépend de la façon que nous vivons au quotidien. Qu'on ne se trompe pas. Je ne suis pas contre prêcher les grands mystères. Mais que tu connaisses ça ou pas, aussi longtemps que tu vis en ordre dans ta maison, dans ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari, mon frère, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes parents. Si tu n'es pas en ordre, tu attends le Seigneur en vain. Très insoumise. Mais tu connais quoi, tous les mystères. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Comme je l'ai dit. Parmi nous ici, si le Seigneur nous donne encore du temps, nous serons l'histoire. Nous serons histoire. Ah, on commencera à parler. Il y avait un frère qui venait ici. On l'a déjà enterré. Oui. Vous savez combien de frères, de frères qui nous ont laissés pendant ce Covid? Pas seulement le frère, combien de personnes sont mortes? Qui te dit que demain tu seras là? Avec beaucoup de projets. Ah, ils ont des programmes. Hein? Dans 2075. 2043. Ah, mets ta maison en ordre. Parce que même ce soir, on peut apprendre que l'autre nous a laissé. Et comme on lui a donné l'ordre d'aller dire à Ézéchias de mettre sa maison en ordre, il ne pouvait pas changer ça. Il est parti lui dire: mets ta maison en ordre. Mon frère Gérard, il est en train de nous prêcher pour nous effrayer, pour avoir peur. Si je pouvais prêcher pour que tu
tu aies la crainte. Faire. Duku. Je le ferai du matin jusqu'au soir. Minta kubiri, parce que la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, les gens vivotent. Ils vivent comme des animaux. Ils vivent inconsciemment. Tu regardes la façon que les gens se comportent. Même les animaux ne se comportent pas ainsi. Frère, nous devons prêcher de telle sorte que la crainte de l'Éternel soit instaurée dans l'église de Dieu. Oh, il veut seulement nous effrayer. Non, frère. Ce que je te dis, c'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, l'un de ces quatre matins, tu seras une histoire. Mais dans quel état tu seras? Mets ta maison en ordre. Vous savez quoi? Si il y a une petite période que quelqu'un peut vivre, c'est ici sur la terre. Il a 120 ans. Il a, c'est pas 80 ans, c'est quoi devant Dieu? 120 ans, c'est quoi devant Dieu? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. J'ai beaucoup aimé l'attitude de cet homme. On lui a donné le message. Il n'avait pas un problème avec le messager. Lui, il comprenait bien des choses. Oh, tu es venu me donner un message. Quelle prédication ça? Il y a des gens qui sont malades. Hein? Il y a des endroits. Après avoir prêché, vous allez voir des gens, en groupe. En train de disputer. Et il a dit ça. Et l'Écriture dit ça. Mais les gens mûrs, les gens qui comprennent bien, toi tu nous as prêchés, nous allons nous adresser à celui qui t'a envoyé. Il n'a pas eu de problème avec le prophète. J'ai beaucoup aimé son attitude. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Dieu nous a créés avec les oreilles. Il écoute. Mon frère et ma soeur, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup chanter, mais nous prierons jamais assez. On ne priera jamais assez. Nous devons avoir l'habitude de prier. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes ensemble comme ça. Mais faire la prière de ces pharisiens. Pour que tout le monde puisse comprendre et voir que je prie. Il était seul dans sa maison. Il a tourné son visage. Ézéchias. La Bible dit ceci. Il a tourné son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Souviens-toi, frère. Duku. Toi, tu as une mémoire. Kuna toi, tu peux créer ce qu'on appelle carte mémoire. Notre Dieu, lui aussi se souvient. Notre Dieu, Mungu wetu, il a aussi une mémoire. Kuna si tu fais quelque chose du bien, kitu kizuri, Dieu se souviendra. Qu'on ne te trompe pas. Tout ce que tu fais, yote si tu fais du mal, notre Dieu se souviendra. Mungu wetu, il y a des gens qui s'amusent. Ils se comportent comme si Dieu ne voit pas. Ils se comportent comme si Dieu n'écoute pas. Ils se comportent comme si Dieu n'existait pas. Notre Dieu voit tout. Notre Dieu voit partout.
Souviens-toi. Kumbuka. Frère. Nduku. Notre Dieu. Mungu wetu. Il a un livre de souvenirs. Aujourd'hui, tu peux penser que. Non, je suis très malin. Lisons. Tusomi. Il dit ceci. Ô Éternel, oh, Amilel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. J'ai marché devant ta face. Pas devant les hommes. Lorsque ton pasteur est là, tu es un grand chrétien. Parce que tu es à côté des frères. À côté des frères. Ah là, c'est un bon frère. Non. Il dit, j'ai marché devant ta face. Pas devant la face des hommes, non. Devant la face de Dieu. Mon frère, même si tu es seul, même si tu es là-bas au fond de la mer, sois fidèle à Dieu. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face. J'ai marché devant ta face. Mais vous savez, il y a des gens qui veulent que les autres puissent. C'est un pauvre pauvre, non, devant ta face, Dieu. Dis-moi comment tu te comportes lorsque tu es seul. Pas quelqu'un de l'église. Dans ton bureau. Dis-moi comment tu te comportes. Lorsque tu es seul. Sans ton pasteur. C'est pas à ton université. Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Combien de gens sont fidèles aujourd'hui? Fidélité. Combien de femmes sont fidèles aujourd'hui? Combien de hommes sont fidèles aujourd'hui? Frère, c'est un arrêt très rare. Très rare. Les femmes sont infidèles à leur mari. Ils n'ont pas, c'est comme de l'eau boire. Ils couchent avec leur chef. Elle couche avec les parents de leur mari. Frère, c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas à qui se fier. Même les frères ne sont plus fidèles. Frère, nous sommes en train de vivre un temps mauvais. On ne sait pas à qui avoir confiance. Mais lui pouvait dire, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Intégrité de cœur. Hein? Je ne sais pas si c'est ce que le frère dit en français là-bas, en swahili. C'est-à-dire, j'ai marché devant toi, pas un pied dedans, un pied dehors. Intégrité de cœur. Le Seigneur te veut tout entier. Ton corps, ton âme et ton esprit. Non, vous savez, frère, vous savez, ces histoires de Dieu, vous devez tirer très attention. On ne s'y mêle pas là. Avec tous tes pieds, ta tête. Non, il faut tirer très attention. Non, j'ai marché devant toi. Alors, intégrité. Intégralement.
C'est comme ça que je comprends ça lorsque je lis ça. Nous devons travailler pour Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on soit un pied dedans, un pied dehors. Mungu asipende tumuchange na kitu kingine. Non. Hapana. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, non, vous savez, on ne sait jamais. C'est pas question de on ne sait jamais. Ça, c'était sa prière. Et j'ai fait cela, oui, oui. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Hein? Si c'est toi et moi. Est-ce que nous sommes en mesure de nous lever devant Dieu? Est-ce que nous pouvons réellement parler à Dieu? Seigneur, souviens-toi de ma conduite devant ta face. Est-ce que tu es en mesure de dire ça? Que j'ai marché fidèlement devant toi. Est-ce que nous sommes en mesure de dire ça? Que Seigneur, je m'appartiens à toi. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Parce que frère, si ton cœur te juge, notre Dieu est plus grand que ton cœur. Nous ne devons pas être des chrétiens. Non, non, parce que lorsque nous sommes avec nos frères, non, notre Dieu sonde ton cœur. Notre Dieu, il voit tes pensées. Vous savez, il a dit ça. Ézéchiel a dit ça. Il était devant la mort. Il quoi ni mbele ya mambo. Et il était en train de parler à Dieu. Al quoi nasema na Mungu. Parce qu'il savait qu'il n'était pas encore prêt. Dieu a dit Dieu a kusema, al quoi shia kwa. Il savait que non non si le Seigneur me prenait aujourd'hui. Al Dieu a kusema kama leo Bwana nibeba. Non, il avait c'était son droit. Et quoi kani yake yake. Il a parlé à Dieu. Mon frère et ma soeur, si tu es dans une situation où tu cherches une intervention de Dieu, est-ce que tu peux parler ainsi à Dieu? Est-ce que tu peux vouloir ce que Dieu puisse te dire? J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Mon frère et ma soeur. Et il a pleuré. Ézéchiel a dit, répandit d'abondantes larmes. C'était une histoire de la vie ou la mort. Frère, ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas un jeu. Ne pense pas que ça va se venir et partir. Enchanter et danser. Oh frère, que Dieu te bénisse. Non, c'est la vie ou la mort. C'est la vie ou la mort. Et si tu comprenais ça, tu ne peux pas prendre ta vie à la légère. Surtout la vie chrétienne. Là où il faut réparer, un enfant de Dieu répare. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des choses à la légère. Il peut parler du mal d'un frère. Il peut parler du mal d'une soeur. Qu'est-ce ça va? Pas de problème. Demain on se rencontre. Oh frère, que Dieu te bénisse, frère. Frère, vous vous amusez? Jésus vient bientôt. À part l'enlèvement, nous avons aussi un autre rendez-vous. C'est la mort qui est là. Oui. C'est vrai que nous attendons Jésus. Oui. Mais ce n'est pas n'importe qui sera enlevé. C'est l'histoire de la vie ou la mort. Il a pleuré. Il a répondu des larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. En ces mots. J'aime ça. Lui, il a parlé à Dieu.
Ezekiel, vous savez, Dieu pouvait lui dire, non, ne t'en fais pas. J'ai compris. J'ai accepté ta prière. Dieu, s'il pouvait faire cela, c'est-à-dire que Dieu devrait, il pourrait être en porte-à-faux à sa parole. Non, Dieu ne veut pas contredire sa parole. Lui, il a prié à Dieu. Ezekiel, mais Dieu est allé parler à son prophète. Frère, la voix par excellence. Lorsque Dieu nous parle, oui, parfois Dieu nous parle par des visions nocturnes. Oui, par quoi, des prophéties. Mais la voix par excellence, c'est par sa parole. Tout doit être ramené en dessous de la parole. Tout. Le Seigneur va parler au prophète. Va parler à Ézéchiel. Frère, comme je l'ai toujours constaté, vous savez, si c'était toi ou bien moi, c'est très embarrassant. Il n'y a pas longtemps. Seigneur, je suis allé lui dire qu'il va mourir. Il n'y a pas longtemps, Seigneur, je lui ai dit qu'il va mourir. Il dit ce que Dieu a dit. Au nom, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai prêché ceci. Maintenant, moi encore rentré. Pour que. Frère, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. J'ai dit ce que Dieu a dit. Oui. Va. Wende. J'aime ça. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Mon frère, ma soeur, ayons l'habitude de parler à Dieu. Laissez les serviteurs de Dieu à côté. Oui, il y a une différence entre les serviteurs de Dieu et la parole de Dieu. Ils ne sont que les porteurs d'un message. Vous savez, frère, et le message et le messager est un. À tous ceux que frère Banama dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que frère Branham a dit, il y a la parole de Dieu. Amen. Il a prié à Dieu, mais on lui a parlé par le prophète. Lakini, jibu litokea kupitia ndiye ya nabii. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que la chorale nous entende un court cantique. Kwaya ipate kututumia kwa mwimbo mfupi. Thank you.
Nous pouvons nous lever et prions tous ensemble.
Créateur des cieux et de la terre, notre refuge, avec joie dans nos cœurs, pour cette instruction de la parole de Dieu, bénis cette parole dans notre vie. Affermis cette parole dans nos cœurs. Nous voudrions produire des fruits dignes de la repentance, Père. Ôte toute distraction à nous. Nous n'avons pas assez de temps dans ce monde. Tout a crié devant toi, Dieu. Ils n'ont pas levé les mains pour que les voisins le voient. Ils ont levé les mains pour que toi, Dieu qui lis le cœur, qui tu puisses apporter sur la réponse. Toi qui règnes au ciel. Tu ne peux pas laisser la personne retourner à Bébredouille. Tout ce dont nous avons besoin, nous les avons exprimés dans nos prières. Et maintenant que nous voudrions sortir, Père, que nous puissions aller avec cette parole dans nos domiciles, que les gens la voient dans nos vies. Ezekiel, Ezekiel s'était lui debout, il a prié. Attentif, Seigneur. Tu as entendu sa prière. Sois attentif, sois aussi attentif à la prière de tes enfants. Nous croyons que tu exauces parce que tu as des oreilles, tu parles parce que tu as une bouche, tu vois les problèmes de tes enfants parce que tu as aussi des yeux. Merci pour l'œuvre abattue par ton serviteur. Il est épuisé. Lorsqu'il se tiendra encore debout ici, remplis-le. Maintenant que nous voulons sortir, il y a un frère qui a une certaine difficulté. Baraka, la bénédiction ne manque que de toi. Otokofu, la gloire ne vient que de toi. Feza, la bitum, bali, bali, et tout t'appartient. La zaidi ya yote, et par-dessus tout, tu vas pouvoir nous attacher à toi, Dieu notre Père. Bariki, conducteur wa. Bénis les conducteurs de ce jour. Ton serviteur qui est notre ancien. Nous pensons à notre frère Kazadi qui est en Afrique du Sud. Donne-lui tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse annoncer ta parole. Nous pensons aussi à notre ancien Kaka. Il se prépare pour aller prêcher sur la route. Sois avec lui. Maintenant que nous voulons retourner, que ta main conduise chacun de nous. Et parle de tous les dangers du diable. Lorsque nous allons atteindre nos domaines, nous allons louer ton nom. Nous avons prié avec foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons ces habits, Seigneur. Et à tes enfants qui sont dans les besoins, ils ont la foi. Lorsque ces habits vont toucher les malades, tous les démons qui sont sur les malades, au nom de Jésus Christ, qu'ils reçoivent la guérison. Glorifie-toi, Père, et par la foi qu'ils ont apporté ces habits, nous avons prié avec foi au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain c'est vendredi. Comme tous les vendredis, c'est une journée qui est consacrée à la prière. Si à Mampala, nous allons prier de 13h jusqu'à 17h. Mais le serviteur de Dieu se rendra au campus pour apporter la parole de Dieu. Hospitalisation. Notre frère Évariste Mwambasanga est interné à l'hôpital CMDC Kimbwambwa. Il est dans la salle d'observation. Observation. Donc, dans le culte du soir, souvenons-nous de notre frère. Nous avons ainsi fini pour aujourd'hui. Allez avec la paix du Seigneur.